Whether there's a side to me, don't know. Different to the child with the smiley photo. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Salut à tous les amis, c'est Red Bully, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de mon Let's Play sur Remember Me. On se retrouve avec l'intro de l'épisode 4. A tout de suite. La forteresse de la Bastille, la plus célèbre prison d'Europe. Ces patients y sont dépossédés de leurs souvenirs quand ils arrivent. Ils ne leur sont rendus qu'une fois leur peine purgée. Incapables de se souvenir du monde, les prisonniers de la Bastille ne rêvent même plus d'y retourner. Ce modèle d'efficacité perverse est dirigé par Madame, la féroce gouverneure de la Bastille. Régnant sans partage sur les corps et les esprits, elle est la seule à connaître la clé des serveurs de confinement mémoriel. Après mon arrestation, c'est là-bas que j'ai été incarcérée avec les autres terroristes. Maintenant, Edge veut m'y renvoyer, pour libérer nos compagnons et ma mémoire sous séquestre. J'avoue qu'à l'idée d'y retourner et de retrouver qui j'étais, je frémis de joie et de terreur. Ok, donc épisode 4, c'est parti. Désolé pour l'absence que j'ai eu un petit problème d'écran. Rien de bien méchant, vous inquiétez pas. Je reviens avec pas mal de vidéos, on va reprendre le rythme scolaire. Donc il y aura des vidéos, je pense, que les samedis. Et peut-être le dimanche aussi, mais bon, déjà que le samedi, peut-être de temps en temps le dimanche. Mais voilà, il n'y a pas trop de dates, enfin, c'est le week-end. Voilà. Le week-end, vous aurez des vidéos, mais pas la semaine. Ou peut-être le mercredi de temps en temps, je sais pas trop. Seule madame dispose d'un accès au serveur mémoriel de la Bastille. On va attendre qu'il finisse. Ouais, voilà, il a fini. Alors faut que je me rappelle un petit peu des touches là parce que... Ouais, voilà. Parce que j'ai changé de manette, donc du coup... Ouais, voilà, c'est tout inversé. Alors, option. Je vais faire ça tout de suite. Petite ellipse, à tout de suite. Ok, donc re tout le monde. Bon, en fait, c'était bon. C'est moi qui... Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc du coup... j'ai un petit peu de mal. Ça m'a fait bizarre, en fait, de sauter le triangle, mais apparemment, c'est bon. Donc bon, on verra bien. Alors, site de construction, j'ai fenêtre, j'ai encore seulement un peu utilisé, ok. On va continuer. Hop là, il y a un drone ici. Non, c'est un drone de... C'est un bon drone. Tu m'as fait sortir et maintenant faut que j'y retourne. Merci bien. Tous les terroristes comptent sur toi, Niline. Tu dois entrer dans ces serveurs et libérer leur mémoire. Libère ta mémoire. Que la lutte reprenne là où elle avait été interrompue. Ok, donc là on va retourner à la Bastille. Voilà, par contre... Ok. Hop, c'est bon, il est passé. Ah non, il est toujours là-bas. Des drones. Il n'a pas de réminiscence. J'ai eu de la chance. Ok. Ok, non, il y a vraiment quelque chose en fait. C'est pas ça du tout en fait, mes touches. Donc, petite ellipse. Ok, donc, re tout le monde. Donc, c'était à mon avis, ce sera la dernière clip. Donc, normalement, là, c'est bon. Retour, donc, hop. Voilà. Hop là, c'est inversé. Oh là 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 là, c'est vraiment. Ah merde. Hop, on va faire comme ça. Ok, donc c'est pas bon. Oh là là, c'est... Voilà, on change de... Ok,
Ok, bon, c'est inversé. Je comprends pas pourquoi. Affectation des touches, donc hop, en USB analogique. Donc avancer, reculer, c'est tac. Et pas de côté gauche-droite, c'est tac. Donc normalement là c'est bon. Ok, donc là normalement c'est bon. Ok, je me suis fait tuer. Mes touches ne marchent pas, je ne sais pas pourquoi. On va regarder comme ça. Peut-être que ça sera bon. Ça me paraît quand même vachement bizarre. Donc attendez. Ok, donc c'est inversé au niveau de la direction. Plutôt bizarre. Option. Paramètres commande. Pas d'inversion. Alors par défaut. Donc ça c'est pour la caméra. Et moi ce qui m'inquiète c'est qu'en fait il me prend pas ça. Donc écoutez, avancer, reculer, donc tac. Pas de côté gauche, droite, tac. Ok, avancer, reculer, tac. Voilà. Ok, donc là c'est bon. On y est. Ok. Ok, faut que je me rappelle. Ok, faut que je me rappelle les presets. Comment on fait Combo Lab. Alors. Oula. Je me rappelle plus du tout. Ça c'est carré. Enfin, je veux dire c'est X. Oh là 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 là. Parce que maintenant j'ai les numéros en fait. On va dire vivement que je retrouve mes. que je retrouve mes. Ok. Ok, allez. 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 Allez, celui-là je le sens. On va faire un... Ah oui. Allez. Allez, je le sens bien. Allez. Allez, celui-là, je le sens.
Ok. Ça c'est réglé. Maintenant... C'est inversé, donc on va faire un petit option. Paramètres des commandes, inverser l'axe X. Vertical, on va inverser. Voilà, là je préfère. Ok, donc il faut monter ici. Bon, là c'est bon, maintenant je suis prêt. Ça va y aller tout seul. Désolé pour ces petits réglages, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça va revenir, maintenant je pense que je jouerai qu'avec cette manette. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, comme ça on fait pour lâcher. Un drone détruit par des leapers. Ça a dû chauffer. Moi, j'aurais aucune chance. Allez. Si je croise une de ces machines. Bien vu. Vérifie si tu peux récupérer le module de détection de ce drone déglingué. Ok, donc il faut faire quoi? Ok. Ton Sensen peut désormais intégrer et afficher les capteurs des drones que tu croiseras. Très utile. Ouais, maintenant faut que je me barre. Merde. Comment on fait déjà? Ah oui, comme ça tout simplement. Oh merde, en même temps je le vois au dernier moment quoi. Comment je pourrais faire? Je sais pas trop. Bon désolé, je sais que là pour l'instant ça paraît un petit peu... les gens qui regardent la chaîne maintenant, que c'est la première fois qu'ils viennent de se dire mais il est nul complet quoi. Bref, je vais essayer donc, je vais faire plus de vidéos de Remember Me simplement parce que je vais essayer de le finir assez rapidement pour pouvoir enchaîner avec un autre jeu. Je sais pas encore quoi, donc dites-moi dans les commentaires quel jeu vous aimeriez. Moi je peux me le procurer, il n'y a pas de souci. Et moi, j'aurais aucune chance si je croise. Bien sûr, bon, faut pas trop déconner non plus. Par exemple, je peux pas vous faire du God of War. Voilà, c'est impossible de vous faire du God of War. Hop là. Je peux pas vous faire de God of War étant donné que. Que c'est que sur PS3, je peux pas filmer sur PS3, voilà, donc je vous le dis, je peux pas filmer sur PS3. Mais par exemple, je peux vous faire du Skyrim, je peux vous... enfin du Skyrim, je pense que je peux vous le faire. Je peux vous faire du Oblivion. Alors attendez, hop là, normalement il va arriver. Exact. Drone au travail. Ok, donc il arrive là. Ok, c'est réglé. Ok, il est passé. J'ai vu quelque chose ici. Ah oui, non, c'est rien. Attention, il y a un autre drone. Avantage de la cellule. Vite, vite, vite. On va passer par là. Appuyer sur... ah oui, triangle. Ok, bon, j'ai trouvé un punch sat. J'ai de la chance pour l'instant. Ok. La Bastille. Ok. La prison à visage humain. Quelle foutaise. Des machines aveugles au service d'une administration robotisée. Oh, cette odeur. Avantage de la cellule. Ce bruit. Il me colle à la peau. Pour t'infiltrer dans la prison, tu vas devoir intercepter une cellule vide et t'en servir comme d'un ascenseur. Ok, donc en clair, il faut que je m'infiltre, ça j'ai compris. Activé. Je sais pas où aller par contre. Ouais. Par là? Non, faut attendre. Ah, ah oui d'accord, il y a un escalier ici. Je vois pas grand chose là. Là il y en a une, c'est le vide. Ok.
donc là je me retrouve aspergé de quelque chose. Ok, petite cinématique. Cette cellule. Oula. Petit lag. Cet endroit, son désespoir, l'impression de ne jamais en sortir. Plus ils te font descendre, plus ils t'épluchent. Ils retirent les souvenirs, comme on ôtait autrefois aux prisonniers leurs ceintures et leurs lacets. Jusqu'où m'avait-il fait descendre? Reste ok. Coup, Frangine, ce coup-ci tu ne fais que passer. Ok, donc j'essaye de... Donc là-bas, je peux pas passer parce qu'il y a un drone. Et là... Il s'arrête où? Il s'arrête là. On va passer là. Attention, il repasse. Ok. Donc là, c'est plus de l'infiltration qu'autre chose. En parlant de prochain Voltrugh... Je pensais à Splinter Cell, mais... Oh putain, je pensais que c'était le même qui revenait. Oh merde. Je pensais au dernier Splinter Cell, le Blacklist, mais je sais pas s'il va passer sur mon ordi. C'est ça qui m'inquiète. Donc au pire, dites-le, je vais regarder. Enfin, je vais regarder... Là, j'ai eu de la chance. Ok, c'est bon, ça passe. Donc là, tu vas se coller à la vitre. Voilà. Hop là. Ok, donc lui il revient, il va s'arrêter là. Petit lag. Ok, et on repart. Ok, on va ouvrir ça. Accès restreint. Accès restreint. Ok, donc là on peut encore ouvrir la salle technique. Faut quand même réfléchir un petit peu, hein. C'est pas. Ah, il y a quelque chose ici. Station relais. Ok. Il s'arrête là. Ah non, il repart. Il revient. Et il s'arrête là. On va le suivre. On va se mettre ici. On va descendre. Ah, nickel. Allez, on va continuer à avancer. Donc là, je sais pas du tout où je vais, mais bon, j'avance. Hein. Par contre, j'ai des petits lags, ouais, bon. Ok, donc là je suis sur le bon chemin, si on se met à marcher comme ça. Il y a des gens. Sergent Vaughan, autant j'apprécie vos compétences, autant j'exige des spécimens d'une qualité minimale. J'ai besoin de candidats en bonne santé, pas de victimes traumatiques. Ouais, c'est ça. Collez-moi un rapport. Rappel d'agenda. Madame et le docteur Fred sont attendus en salle d'interrogatoire. Eh bien, je rapporterai votre manque de sérieux à madame. Nous verrons bien ce qu'elle en pense. Sandek, j'ai tellement trop peur, connard. Ok, donc lui, je sais pas du tout qui c'est, enfin... J'ai déjà vu ce sergent Vaughan. Mauvaise vibe. Le pire,
Il sait comment exploiter le système de sécurité à son avantage. Il en connaît les pièges. Suis-le et dérobe ses secrets. C'est le seul moyen de t'approcher de madame. Salut les filles. C'est l'heure de la fouille. Oh le pervers quoi. Oh le pervers quoi. Non. Mais oui, donc comme je disais, on va repartir sur ça parce que bon, c'est quand même après ce let's play, je sais pas combien d'épisodes il y a, je regarderai vite fait. Donc, ok, il est là-bas. Ok, je vais me faire griller. Ok, allez. 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 Ok. C'est parti pour la furie. Allez. Hop. Allez, on va l'overload lui. Ok, ça c'est réglé. Petit problème de caméra. Allez, un 1-1. J'essaie de régler au mieux la caméra, mais c'est pas évident. Allez, je vais le détruire. Ok. On va pouvoir se mettre dans un endroit un petit peu plus grand. Voilà. Allez, on y va. On va faire des combos. Ah, il m'a touché. Allez. Allez. Un overload. Ils sont vachement compliqués ceux-là. Ils sont très résistants. Hop, 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 et hop. Voilà, un overload mémoriel et c'est réglé. Donc où est-ce qu'il est le gros là? Ah, il est là, sergent Vaughan. Ça, c'est pour tout ce que tu m'as fait. Et ça, c'est pour tout ce dont je ne me souviens plus. C'est méchant ça. Bien joué, frère. Tu possèdes les clés du royaume. La Bastille est à toi. Ok, donc ça c'est fait. Donc maintenant je connais tout, ça c'est bien. Donc on va pouvoir sortir. Une rémanescence, nickel. Allez, c'est parti. Comment on fait déjà? Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai.
Ok, nickel. Là, c'est bon, maintenant que je me suis habitué à la manette, je vais pouvoir garder que celle-là. Il faudra que je la configure aussi sur FIFA. Bon, FIFA, j'ai déjà tourné. Donc là, alors que je vous parle, en fait, il y a des épisodes qui ont déjà été tournés. Mais bon, vu que j'ai pas d'écran... Oula! Ici surveillant 1242. Interception en cours. Ah ouais, t'es sûr? Alors, le... alors 5... C'est où 5? 5, c'est ici, il me semble. Ouais, bah on verra. 5 et 8. Pour tirer, 8, c'est... Alors, attendez. 1... 8, c'est ici, je crois. Ah ouais, c'est ça. Ensuite, on s'éclate. Alors... Bon. Un overload mémoriel. Et c'est réglé. On n'en parle plus. Hop là. On ouvre la porte. Je suppose qu'il va y en avoir d'autres. Ok. Maintenant que ça se recharge. Ok, c'est réglé. Hop. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Ah ok, il y en a d'autres. Ils ont tous un bouclier. Oh. Alors, la roue Sensen. Comme ça. Utiliser S1 pour chercher si les ennemis équipés de boucliers ne peuvent pas être ciblés. Comment c'est quoi S1? Ah oui, d'accord. Activer sur 3 pour activer la bombe logique. On va prendre celui-là. Alors, effectuer maintenant une esquive en arrière. Ok. S2 plus 3. Afin de sortir de la zone de dégâts. Ok. Mais c'est trop bien ce truc. Ah, mais je kiffe. Un overload mémoriel. En fait, j'ai balayé la zone, quoi. Et je peux plus rien faire. Allez. Ok, donc on va faire comme ça. Allez. Comme ça, on a une belle vue. Allez, hop. Hop, hop, hop. Ok. Ok, j'ai une nouvelle clé disponible, on verra ça plus tard. Allez! Allez, faut que j'arrive à le balayer. Thank you.
il y en a plus. Non. Quand j'aurai récupéré mes souvenirs, je peux faire l'impasse sur Vaughan. Je me passe volontiers des fumiers de son genre. Ton passé ne peut plus t'intéresser, Frangine. Pense à ta mission. Ok, c'est reparti. Ils sont partis de ce côté. Je veux la rémanescence. Ok. Hop là. Aussi, je tenais à vous dire, j'ai un énorme projet en ce moment sur Minecraft notamment. Donc j'ai un Hunger Games que j'ai fait en attendant, bon, qui est. Madame, il y a eu une intrusion dans les vestiaires des gardes. Développez, je vous prie. Le sergent Vaughan a été agressé. Effacement mémoriel total. Et moi, cet intrus, et vite. Ok. Les patrouilles. J'active le brain trainer. La seule personne habilitée à jouer avec les mémoires ici, c'est moi. Ok. Ouais, donc je disais, pour Minecraft, en fait, je prépare carrément un film d'une heure et demie avec scénario, tout ça. Donc, en ce moment, je suis en train d'écrire le scénario avec les personnages, tout ça. Et je dois dire que c'est super. Alors, attendez, parce que là, ça a l'air pas évident du tout. Ok. Oh là, il y en a un autre. Ok. Faut avancer petit à petit. Je pense pas que je peux en avancer de deux. On va essayer. Ouais, si je peux en avancer de deux. Je sais pas où aller par contre. Ok, faut que j'aille ici apparemment. Juste un bouton à presser. Et hop, la cellule est envoyée en ambulance. Parfait pour se piquer un roupillon en lousier. Ok. Ok, j'appuie sur le bouton. Ah voilà. Et donc là on va en maintenance. On va faire ça tout de suite. Oh la prestation, hop là. Donc j'ai. Oh merde. J'ai débloqué quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok, bla bla. Ok, bah écoute, on va laisser comme ça. De toute façon, on a juste pas enlevé le truc. Ok. Je sais pas ce qui m'attend derrière cette porte. On va vite le trouver, on va vite le savoir. Alors. Rappel d'agenda. Madame et le docteur Quaid sont attendus en salle d'interrogatoire. Je fais le tour, fait qu'il faut aller. Les salles d'interrogatoire ne sont pas loin. Vas-y. Ok. Et. J'y vais comment? C'est bien beau. Ok, on va aller par là. Oh! Alors celui-là. Ok, là faut que j'en profite pour le frapper, je crois que j'ai compris. Faut toujours que je l'ai à l'œil. Toujours que j'ai dans la caméra.
Ah, m'a touché. Ok. Un overload. Allez, à nous deux. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Il y en a d'autres. Il y en a même deux. Allez. C'est pas lui que je voulais le faire, mais bon. C'est assez chaud là. Ah, je suis touché. C'est pas évident du tout à esquiver chaque tir. Comme ça. Voilà qui est fait. Ok. Tout le temps à esquiver. Ok, donc ça c'est fait. Hop, hop. Boum! Ça, c'est réglé. Ok. C'est fait, on n'en parle plus. Monte les escaliers. Ok. La salle d'interrogatoire doit être par là. Ouais. C'est pas par là. Salle de stockage. Ça va être par là. Salle d'interrogatoire 3. Non, c'est pas ça. Il y en avait une autre, j'en ai vu une autre. Là, ici. Vide. La 3 donc est occupée. On va l'ouvrir. Vérification des permissions. Vous êtes tellement naïfs, vous autres chasseurs de souvenirs, avec vos petits chapardages. Ok. Désolé, je parle pas trop, mais voilà, je suis un peu concentré là. Je sais pas qui c'est lui. Petite fouine, je vais te faire découvrir les vraies possibilités des jeux mémoriels. Quand j'en aurai terminé avec toi, tu croiras m'avoir toujours désiré. Non, jamais. Silence. À terme, tu offriras de donner ta vie pour moi. Ok, C'est le moment. Pique-lui le chemin d'accès vers les serveurs de la prison. Ok. Mon dieu, Edge. C'était Badrick West. Ils l'ont eu. Te laisse pas distraire. Il sera libéré avec les autres. Ah, okay. Suis de la naissance de madame jusqu'au serveur mémoriel. Ok. Une fois qu'on passe par là... Ah tiens, c'est quoi ça? Hop, ça c'est fait. Ensuite, ok, bon, c'était pas par là apparemment.
Merde. Ah. La cour. Oula. Avec la pluie là, d'un coup. C'est bon, je suis sur place. Allons-y. Avec la pluie, je lag pas mal. Ok. Donc je parlais de Minecraft, donc je suis en train de préparer un film complet, donc scénario, tout ça. Donc ça me prend du temps, ce sera un film d'une heure et demie sur Minecraft. Du jamais vu sur YouTube hein, jusqu'à maintenant. Donc je suis en train de travailler dessus là avec plusieurs personnes. Enfin moi pour l'instant je suis en train d'écrire un scénario, mais j'ai quand même plusieurs personnes qui sont déjà sur le coup avec plusieurs acteurs, plusieurs figurants, tout ça. Un film quoi. Donc il y a certainement du boulot, mais bon j'arrive quand même à le placer. J'arrive à faire la vidéo, donc y a pas de souci. Ok, donc lui est en train de péter un plomb là. Je vais lui mettre un coup de flingue. Ouf. J'ai eu de la chance. Je remonte ma vie. Ok. Ok, comment on fait pour changer de gars déjà? Merde, j'ai oublié. Bon, tant pis. Ok. Ok. Boum! Ça, c'est réglé. Et il y en a d'autres. Il y en a deux maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Transforme les unités robotiques en alliés qui attaqueront toutes les unités au sol avant de s'auto-détruire. Ah, ça, c'est cool. Quand la roue 1 est actionnée, tac, utilisez S1 pour changer de cible. Celui-là il est cool. Tac. Ok. Ah ça c'est cool. Alors il faut que j'arrive à... Allez, coucher. Allez, on fait un overload mémoriel. Allez. J'attends qu'ils soient tous réunis. Ah, il m'a touché. Récupérer de la vie. Ok, ça c'est fait. Ok, c'est touché. Il a son bouclier. Allez, allez, recharge, 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 recharge. Ok, c'est bon. Et il y en a d'autres. Ouh.
L'aspect évident. Allez, un overload. Et là c'est super dur, franchement je parle pas beaucoup parce que c'est vraiment super dur. Je suis vraiment concentré. En plus avec les autres qui tirent en l'air là, j'essaie de prendre le moins de coups possible. Là, malheureusement, c'est pas très simple. Il va tirer partout. Et ce que je vais faire, c'est ça, comme ça. Voilà. Un overload mémoriel. Voilà, j'ai bien géré. Et l'autre derrière. Voilà qui est fait. Une rémanescence. Allez, c'est parti. Oula, tombé de touche. Vous allez m'isoler la Bastille du réseau. C'est fait, depuis 10 minutes. Plus jamais ça, Sergent Vaughan. C'est la faute de Quaid. Cette sangsue fait ce qu'il veut dans ses laboratoires. Laissez le docteur Quaid hors de ça. C'est toute la Bastille qui est éclaboussée par cette évasion. Okay. Bien, madame. Et trouvez-moi les coordonnées d'Olga Sedova. J'ai un travail pour elle. Ah, donc Olga serait dans tout ça. À voir. Ok, donc on y va. Jour là. Oh là. Ok, je prends par là. Tu m'as eu. Ok, c'est l'autre côté. La seule personne qui a été à jouer avec les mémoires ici, c'est moi. Ça, tu l'as déjà dit. Oh là, ça sent la bestiole, ça. Ça sent la bestiole. Oh. Oh. Donc menu sonne carrément. Mais voilà, hein. Donc là, je me bats contre des mémoires, c'est ça. Pas évident, pas évident. Ouais, en plus j'ai pas de... Ok. Hop.
Allez, tu vires ton bouclier, toi. Hop, hop. Hop. Hop, c'est réglé. Et... c'est fait. Depuis quand une rémanescence se révèle hostile ? Edge, il se passe quelque chose de bizarre, là. Edge ne peut rien pour toi, ma petite. Ah, merde. La partie est lancée. Et c'est à mon tour de jouer. Ah ouais, tu veux jouer ? Bah, viens, on va jouer. Viens, on va jouer. Mais tu vas pas t'en sortir. Hein. Moi, je te le dis direct. Hein. Ouais, tu vas voir, je vais monter, mais tu vas prendre une espèce de déculotté, ma grande. Attention, hein. Moi je rigole pas. Hein. Allez. Je vais te démonter. Ah, mais pas du tout. Le coup de la rémanescence, Vérolé. Je savais que tu apprécierais. Je veux récupérer ma mémoire. Tout est là. Il suffit de chercher. Vos petits jeux ne me font pas peur, madame. Ça viendra, ma petite. Ça viendra. Oh. Eh, je vais la démonter. Hein. Je sais pas ce qu'elle m'a fait là, mais je vais la déboîter. Est-ce serait-ce la fin du chapitre ? Enfin, de l'épisode plutôt. Je ne sais pas. Non, apparemment, du tout. Pas du tout, pas du tout. Je sais pas quand c'est d'ailleurs. Mais bon, j'ai toujours dit que je ferais un chapitre par épisode. Donc je ferai un chapitre par épisode. Bon, je sais pas où je suis là, j'avance. Oh. On va prendre l'élan. Voilà. Memory. Oh, ça c'est pas gentil. Voilà, par contre, je baisse mes FPS. Non, c'est bon. Un jeu spécial, rien que pour toi. Que dirais-tu d'un cours particulier? Ok. Il fait quoi, lui? La résistance m'excite, ma chérie. Je vais la déboîter. Hop. C'est mort. J'obéis rien du tout. White. Allez. Allez, tu dégages. Eh, je vais les démonter. Vénère-moi. Je te vénère rien du tout. Je te déboîte, c'est tout. Allez. Allez, recharge. Allez. Putain. Qu'est-ce qu'il va me faire?
Attendez. N'existe pas à ton envie de me vénérer. Je ne vais pas me laisser faire. Ok, donc j'avais, en fait j'avais oublié de mettre le micro. Enfin je crois, je sais pas en fait. Je verrai ça au montage. Allez. Donc là normalement vous m'entendez. Attendez, je regarde quand même. Parce que je suis dans le noir donc je vois pas grand chose. Oui c'est bon. Ok donc, je sais pas si c'est le dernier chapitre ou quoi. Ah il est en train de faire mal là. Je sais pas si c'était si facile ou quoi, mais... Ok. Hop. Ok, faut que j'utilise ça pour arrêter. Heureusement que vous me le dites. Ah ouais, putain, en plus j'aurais pu y penser avant, quoi. Allez. Ça te déroute, n'est-ce pas? Allez. Je vais te déboîter. Ça suffit. Putain. Tu ne peux pas me vaincre. Si je peux. Allez. C'est chaud là. Cours, ma belle. Cours. Wow, wow, wow. Oh, je suis en train de prendre trop cher. Je ne vais pas me laisser faire. Tu devrais. Ok. Prendre de la vie. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Je vais la voir. On va faire comme ça, c'est beaucoup plus, c'est bien mieux. Sois la bienvenue. Tu m'as manqué. Ouais ouais, moi tu m'as pas manqué du tout. Je savais même pas qui t'étais il y a même pas deux secondes quoi. Allez, envoie-moi un adversaire. Ça te déroule, n'est-ce pas? Allez.
Allez. Là c'est chaud, je pense que c'est l'épisode final. Allez. Ouf, faut que j'arrive à... Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Ah si, je vais résister. Allez, renvoie un bonhomme là, renvoie des gens, renvoie des gens. Ça va être chaud, c'est très très chaud là, très très dur. On dirait pas comme ça, mais y a du niveau là. Ok, je revais des bonhommes là, je revais des bonhommes. Je ne vais pas me laisser faire. Allez. Tu devrais te laisser faire pourtant. Ça va plus, c'est dur. Oh là là, à chaque fois, dès que j'en vois un qui arrive sur moi, je suis obligé de faire une roulade. Ça te déroute, n'est-ce pas? Je suis même pas à la moitié. Là, cet épisode va être très long et je pense que ça va être le final. Je pense, hein. Allez. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Là par contre, j'ai pas le droit à l'erreur. Je ne suis pas si facile. Oh non, je suis tombé et je suis mort. Oh là 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 là. Pas évident, pas évident, c'est très très dur. Très très dur. Waouh. Ah putain, on revient au tout début. Mais maintenant que je sais comment on fait, on va perdre beaucoup moins de temps. Allez. Ça c'est réglé. Allez là-haut. Allez. Tu n'as rien appris durant ton absence. Allez, recherche-toi. Ok. Chose. Là cette fois, je le sens bien. Ok, elle a perdu le quart de sa vie. On va aller beaucoup plus vite. Ok, ça se fait vraiment mal. Ça suffit. Ouais. Tu ne peux pas me vaincre. J'ai compris comment on fait. Allez, relève-toi, et là maintenant on tourne. On tourne, et s'il y en a un qui arrive sur nous, petite roulade. C'est parti. Allez, let's go. Cours, ma belle. Cours. Ah, déjà, on a gagné pas mal de temps par rapport à tout à l'heure. Ah putain, je me suis fait toucher. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Ok.
133 secondes. Il est là-bas. Je fais que des trucs pour me remonter mes trucs. Allez. C'est pas évident, là je suis en train de transpirer, j'ai les mains vraiment qui sont moites. Eh, hey, elle tire pas là-dessus. Je ne suis pas si facile. Ah ouais, tu devrais. Allez, tombe. Boum. C'est reparti. Je vais longer les carrés blancs parce qu'apparemment elle tire pas dessus. Donc on va longer comme ça. Ça marche plutôt bien. Ça te déroute, n'est-ce pas? Allez. Ok, c'est terminé. Allez. Toi tu touches pas. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Ok, allez. Je ne suis pas si facile. Tu devrais... Allez, tu devrais être facile parce que... Putain, elle est vraiment dure, hein. Elle est vraiment dure, tous ceux qui ont fait le jeu doivent le savoir. Surtout que là je suis pas en facile. Ah putain. Elle a tiré dessus quoi. Ok, c'est bon. Sois la bienvenue. Tu m'as manqué. Où c'est qu'ils sont? Ok. Non, putain, je me suis fait buter. Écoutez, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve quand j'arriverai à la moitié de sa vie. A tout de suite. Ok, donc les amis, donc là je suis presque à la moitié. Il doit rester, je lui mets un coup et c'est terminé, enfin j'arrive à la moitié. Donc écoutez, on va continuer. Donc là je suis en train de courir. Vous voyez, sa vie elle est vraiment au bord. Donc en fait j'ai compris qu'il fallait courir au bord. Et que du coup, parce qu'elle tirait beaucoup moins sur les bords, mais elle tire des fois, donc faut être plus vigilant, mais c'est un petit peu plus sûr. Voilà. Et ensuite, il y a juste à taper les gens. Là, dans 30 secondes, je pourrais l'achever. Voilà, on va faire comme ça. Tac. Et donc là, je vais pouvoir, voilà, arriver à la moitié. Voilà. Donc là je suis arrivé à la moitié. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Memory. Cette fois, tu resteras à jamais. Oh non. Allez, tombe. Trouve-moi si tu peux. Ok. Ok, on va remonter la vie. Vénère-moi. C'est mort, je te vénère rien du tout. Allez. Ok. Oh.
de la vie. Tu n'as rien à perdre durant ton sort. Ok, elle. Allez. Je me soumets de rien du tout. Ta résistance est ma chérie. Eh bien. Ok, on va essayer de récupérer de la vie. Cette fois, tu resteras. J'en tremble. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Je récupère de la vie. Ok. Ok, je l'ai eu. Allez. Hop. Tu n'as rien appris durant ton absence. Ouais, vas-y, t'as rien du tout, t'as personne. Allez. Obéis. Allez, je remonte ma vie au fur et à mesure. Allez. Yes, je l'ai eu. Allez.
Ah putain, j'ai été touché. Ah, il est où? Je le vois pas pour l'instant. Ok, il est là-bas. Je fasse un truc là. Vénère-moi. Allez, on va faire ça. Tu n'as rien appris durant ton absence. Hop. J'ai du mal, là j'ai du mal. Cette fois, tu resteras à jamais. Ok, je remonte ma vie. Que dalle. Tu es à moi. Hop, ça c'est fait. Ferme-la, putain. Ok, on va passer comme ça. Désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis vachement concentré. Ok. Ah putain, j'ai encore moins de temps. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée pour la prochaine. Allez. Ok. Alors. Soumets-toi à moi. Allez, il me faut de la vie là. Allez. Cette fois, tu resteras à jamais. Allez. On va pas grand chose, je suis désolé, mais je peux pas faire autrement. Je peux. Ta résistance est limitée.
gueule. Ok. Ah, je peux plus rien faire là. À moi. Ok. Je pense que c'est clair et net ce chapitre final. Cette fois, tu resteras. Allez. Allez. Vénère-moi. Allez, j'obéis à rien du tout. Ah, je crois que j'ai une idée. Où c'est qu'il est ? Ah ouais, je vais avoir une pure idée. Je viens de comprendre en fait. Voilà. Tu ne peux pas me forcer à me trahir. Comment oses-tu ? Scène. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et là, je t'élimine. Hop. Ok, c'est pas terminé. Mais j'ai compris le truc. Hop, on fait ça.
Hop. On va tenter comme ça. De toute façon, non, on a trouvé le truc. Voilà. On fait ça. Hop, et là on l'élimine. Là, ce coup-ci, on va réussir à QTE. Impressionnant. Ah, je sais pourquoi. Cette fois, tu resteras à jamais. J'ai compris. Hop, on va refaire comme tout à l'heure. Tu n'as rien appris durant ton absence. Hop. On l'aligne, on réduit le temps. Vénère-moi. On remonte la vie. Hop. Hop. Allez. Et là, celui-là, je l'ai. Ok, est-ce que j'ai fini? Donc vu la taille de l'épisode, parce que celui-là il va durer bien longtemps, je pense qu'on est pas loin même des 2 heures. Je sais pas combien de temps il va durer. Je sais pas si c'est l'épisode final, mais là, waouh, ça fait bien 2 heures que j'y suis, ouais. Houhou. Attendez, c'est pas fini. On peut l'overload. Est-ce que c'est la fin du jeu? Ou pas. L'école est finie, maîtresse. Et donc Madame est tombée. Utilise son force spammer pour ouvrir les serveurs de confinement mémoriel. Non, apparemment c'est pas la fin du jeu. Ok. Ok. S1, la session de décryptage. On va attendre que tout se recharge. Ah oui, d'accord. Hop. Et hop. Alors. Oh putain, c'est trop galère.
Ah oui, d'accord. Et... Ah oui, d'accord. Comme ça... Ok. Ok. Et... D'accord. Ok, donc là ça va laguer. Ah non, c'est bon. Donc là j'ai libéré les mémoires de tout le monde. Donc est-ce que c'est la fin? J'en ai aucune idée. Donc là, petit bug de son, hein, comme au début. On peut pas mettre sur pause pour augmenter le son. Oh. Donc ce n'est pas fini. La cérémonie au tribunal va commencer. Nous passons. Je sais. Laissez-moi une minute. Appel vers Alexia. L'appel n'aboutit pas. Veuillez laisser un message. Alexia, putain, appelle-moi. Tout Paris va assister à ma cérémonie d'investiture. Tu ne peux pas me laisser tomber. J'ai besoin de toi. Message enregistré. Pute égoïste. Ok, donc je pense que ça y est. Le chapitre est terminé, donc ce n'était pas le chapitre final, mais c'était un gros chapitre. Hein. On va voir ce qui se passe, la rupture. Et dans tous les cas, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, je pense que c'est la fin du chapitre. Pute égoïste. J'ai tout donné sans rien demander, Frank. Tu as eu mes meilleures années. Connerie, tu bousilles ma carrière avant qu'elle commence. Parce que je serai pas à ton bras sur la photo? Réveille-toi, Frank. Je ne supporte plus cette mascarade. Alex, si tu franchis cette porte... Va te faire foutre, Frank! Alex! Ok, donc on va rembobiner. Comment on fait déjà? Merde. Je me rappelle plus comment on rembobine. Mince! Comment est-ce qu'on rembobine déjà? Mince, c'est pas là. Affectation des touches.
spammer, junk ball. Je me rappelle plus comment on rembobine. J'avais trouvé. Ah oui, d'accord. Je me rappelle maintenant. Table poussée, ouais, carrément. On va le faire après. On va avancer au fur et à mesure. On va rembobiner. Alors, hop, on va revenir au tout début. Hop, donc là il y a des trucs. Allez, 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 allez. Ok. Donc là on peut pas revenir. Là, voilà, la bouteille. Ah putain, j'arrive pas à tomber dessus. Ok, donc on va renverser la bouteille. Ensuite. Hop. Corrompre. Déclencher. Parce que je serai pas à ton bras sur la photo. Réveille-toi, Franck. Hop là. Et la cigarette, faire tomber. Alex, si tu franchis cette porte, il y a quelque chose qui cloche, donc la bouteille, faudrait pas la faire tomber. Ce serait plutôt le... Ce serait plutôt la petite table. Alex, si tu franchis cette porte... Ok. On va pousser donc la petite table. Alors, tu vas faire quoi? Me descendre? Tu ne tiens même pas debout. Et pan. Sois sérieux, Franck. Tu n'enlèves même pas le cran de sécurité. Alex! Et voilà. Ah, je suis tellement bon. Ah là 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 là. Ok.
Ok, donc ça c'est fait. Je sais pas du tout hein, pourquoi on a fait ça, mais bon. Écoutez, on l'a fait. Oula, baisse de FPS. Oula. Ah oui, bug de son. Encore. Pardon, Alex. Pardonne-moi. Pan. Ok. Bon, j'espère que là ça va finir parce que franchement, après la upload, ça va être vraiment la galère. Ok, donc là ça a l'air d'être bon. Ce serait un petit peu de temps, j'ai envie de dire. Là chez moi il est 1h23 du matin. Il va peut-être falloir que ça se termine le chapitre. Donc bon, on va voir s'il y a une cinématique. Ouais. Au terme du raid sur la Bastille, je n'étais qu'abattement et déception. Certes, le règne de Madame est terminé. Mais mon passé m'a encore échappé. Toujours privé de mes souvenirs, j'étais obligé de suivre les consignes de Edge. Mais sans conviction. Et même si les atrocités de la prison m'ont convaincu du bien fondé du combat héroïste, le souvenir de mon crime ronge désormais mon esprit. J'avais poussé un homme au suicide. Qu'ai-je commis d'autre ? Pire ? Edge, lui, se réjouit de la victoire. Nos compagnons libérés ont repris la lutte contre l'hérésie du Sensen à travers Néo-Paris. Maintenant, il veut frapper Memorize au cœur, en mettant un terme au projet reconversion. Son plan ? Viser la reine. Cilla Carty-Wells, présidente de Memorize. Je dois remixer sa vision du monde. Fausser son passé pour apaiser son cœur meurtri. Alors je m'interroge. Dois-je accepter d'échanger mon âme contre une victoire ? Est-ce qu'un crime peut en justifier un autre ? L'ancienne Nilin avait sûrement la réponse. Quant à moi, je n'en sais rien du tout. Ok, donc épisode 5, je vais mettre sur pause tout de suite, voilà. Je vais vous dire à la prochaine, donc ce n'est pas l'épisode final, pas encore. En même temps, ça m'étonnerait parce qu'il était quand même vachement court ce jeu du coup. Donc non, rassurez-vous, il y en aura d'autres. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, à vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur ma page Facebook et Twitter. Bon, je suis pas souvent, mais bon, ça, une fois que j'aurai quand même pas mal de gens qui suivront, je vais faire un tour quelques fois, mais vu qu'il n'y a personne, je ne mets rien. Mais si jamais je vois qu'il y a ne serait-ce qu'une personne sur un des deux, bah, bien sûr, si je vois que ça commence à bien marcher sur Facebook ou sur Twitter, je commencerai à mettre des informations où je demanderai à quelqu'un de s'occuper de ma page, enfin, de mes pages. Bref, donc tout ça, ça sera dans la description. Enfin, quoique, j'ai pas besoin de mettre dans la description, je vous avais juste à mettre, vous tapez Red Bullish sur Red Bullish HD sur Facebook et Red Bullish HD sur Twitter et vous tomberez sur mon compte. Sur ce, vous n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous voulez me donner une idée de let's play que je pourrais faire après celui-là. Et sinon, je vous dis à la prochaine donc pour l'épisode 5 ou pour une autre vidéo hein, qui arrivera. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.